Excuse me. $100, please. That's okay, thank you. Cette personne qui vient de demander $100 à un inconnu et de se prendre un vent est en pleine rejection therapy, ou thérapie par le rejet, une trend TikTok qui parle de confiance en soi. Le principe est super simple sur le papier, il suffit d'aller poser des questions à des gens dont la réponse va être très probablement non. Mais ils ont besoin de ça. Moi, quand je demandais à une fille de sortir avec moi, la réponse, je savais que c'était non. C'est pour ça que ça me faisait flipper. Et donc, c'est en te prenant des vents que tu prends confiance en toi. Et moi, je peux dire que Jean-Luc Mélenchon, il doit être vraiment très, très confiant en lui. Il fait tellement d'années qu'il veut être président de la France. Et il se prend des vents. Ah, putain, c'est fou, ça. Pourquoi faire ça? Les pratiquants de cette thérapie avancent que ça leur permettrait de progresser sur leur rapport au refus et leur peur d'être rejetés. Écoute, plus je regarde la vidéo, plus je me dis c'est pas con en fait. Non mais c'est vraiment pas débile en fait. On a toujours peur de faire des choses. Tu vois, par exemple, faire de la scène, se lancer sur Twitch, faire des trucs comme ça. Et en fait, faut arrêter. Et moi, tu vois, je fais tout ça et j'essaie de pas réfléchir parce que je suis habitué à me prendre des vents, à jouer devant peu de gens, à que les gens rigolent pas, machin, et que du coup, maintenant, je suis un peu une carapace. En fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir une carapace. Est-ce que c'est pas une génération qui est trop sensible? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais c'est intéressant et du coup, je comprends pourquoi ils le font. En fait, se voir refuser ces choses aiderait à conscientiser que quand ça arrive, eh ben, c'est franchement pas grave. Tout le monde s'en fiche. Non, mais la raison, je comprends. Pas ouais, je suis avec eux là. Cela permet d'appréhender des interactions sociales quotidiennes avec moins d'inquiétude et plus de légèreté. Et la cerise sur le gâteau, c'est que parfois, la réponse, c'est oui. Excuse me, I just wondered, could I try your hat on? Try my hat on? Yeah. On sent en Angleterre apparemment. Oh, yeah, ils sont plus sympas en Angleterre les gens. Stop anything landing on my head. Does it work? Doesn't stop it landing on the head, it stops it hurting. Has anyone ever asked you that before? No, that must be a first. Thank you. Bah en fait je suis avec. Écoute, moi je suis conquis. Eh ben tu sais quoi, bon je le ferai pas parce que moi ça m'angoisse trop, mais je fais déjà des trucs. En fait c'est aussi sortir de ces de ton habitude, des choses, voilà, c'est important quoi de faire ça. Et je trouve ça hyper, en fait ça m'a même, tu vois, je suis touché. Salut patate. Je trouve ça hyper bien, hyper bien. En fait les gens ils combattent leur peur et ça c'est important parce que en fait comment tu t'en sors sinon? Non mais c'est vachement bien, écoutez. Et puis c'est gratuit. Ce qui est pas mal à notre époque hein. Ce qui est pas mal. Non mais c'est fou d'en arriver là. Et je sais pas comment, tu vois, on a des enfants, comment tu vas faire pour dire bah vas-y, n'aie pas peur de parler aux autres. En fait, je sais pas comment tu fais. Non, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Écoutez, moi, je vais demander à des gens dans la rue qui me follow sur Twitch. Voilà, c'est peut-être ça ou sur mes réseaux. Pas sûr que ça marche déjà quand je fais des vidéos, personne s'abonne. Voilà.